Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu maintenant et la prendre au psaume 77, qui sera notre texte d'aujourd'hui, et nous allons l'étudier ensemble. Vous savez que à toutes les années, bon, peut-être que vous ne vous en souvenez pas d'une année à l'autre, mais le 6 juin est toujours une date mémorable pour l'Europe et l'Amérique du Nord, parce que nous nous rappelons lors de cette journée le fameux débarquement de Normandie qui a eu lieu en 1944. Et plusieurs anciens combattants, de même que la population qui est plus âgée, leurs familles aussi, se réunissent année après année pour célébrer cet anniversaire. Et c'est souvent lors de ces anniversaires où ils revivent l'expérience pour les anciens combattants qui sont de moins en moins nombreux. Pour eux, ils revivent cette expérience qui les a tellement marqués plus de 7 décennies maintenant auparavant. Cette journée du 6 juin 1944 a été tragique pour plusieurs soldats, mais ça a aussi été le point de départ de la libération pour toute l'Europe. D'un événement tragique, cet épisode est devenu un point tournant dans l'histoire du 20e siècle. Et c'est pour les militaires canadiens, ces souvenirs sont encore pénibles. Pour les Français, au contraire, ces souvenirs sont particulièrement heureux et précieux. Il y a de ces événements qui marquent notre vie. Pour certains, ça peut être un anniversaire de naissance. Pour d'autres, le jour de leur mariage. Pour d'autres encore, ça peut être un élément heureux lors d'un voyage, un souvenir de jeunesse, une rencontre spéciale. Pour les mamans, la naissance d'un enfant, certainement. Et c'est lorsque viennent des moments difficiles dans nos vies que ces jours de souvenirs prennent toute leur valeur et leur pleine signification. Un couple en difficulté peut et devrait se souvenir, se rappeler ses vœux de mariage. Des adultes dont les parents sont maintenant âgés et qui se meurent peuvent se souvenir des bons moments passés en famille. Un chrétien dans le doute peut se rappeler le jour de sa conversion ou le jour de son baptême, par exemple. Quelles sont les pensées qui nous habitent dans les moments difficiles? Quels souvenirs nous viennent à la mémoire? Comment pouvons-nous, pour prendre les paroles de l'apôtre Paul, toujours nous réjouir dans le Seigneur, dans nos creux émotifs? Eh bien, le psaume 77 nous présente Asaph. Asaph, qui est l'auteur d'une douzaine de psaumes. Asaph, qui est en proie à des vagues d'émotions et de pensées. Ce psaume nous présente Asaph, qui est soumis à des hauts et à des bas, à des questions laissées sans réponse. Mais ce psaume nous met aussi en présence d'un homme qui se souvient du salut de Dieu dans le passé et dont le souvenir vivant de ce salut répond, du moins partiellement, à ses états d'âme. Et soyons honnêtes, frères et sœurs, nous avons tous des moments obscurs, des moments de découragement, de tristesse, de déprime. Et dans ces moments obscurs, le Seigneur, par l'entremise de l'expérience d'Asaph, relatée au psaume 77, peut nous venir en aide. Ce psaume est un des psaumes didactiques, des psaumes d'enseignement, qui nous rappellent les temps forts de l'histoire du salut, non pas pour le simple plaisir de se remémorer des événements du passé, mais surtout pour en tirer des leçons bien précieuses dans nos moments obscurs. Alors nous allons lire le texte en deux parties. Je m'arrêterai après le verset 13. Pour faire un certain nombre d'observations. Et ensuite, nous regarderons les versets 14 à 21 pour avoir un autre certain nombre d'observations. Et ensuite, poursuivre la réflexion jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, le psaume 77, si vous avez vos Bibles, se lit ainsi. Je lis dans la version Colombe. Alors, ça se peut que votre traduction soit un peu différente. Au chef de chœur, d'après Yedutun, Yedutun était un des trois chef des chantres mentionné dans 1 Corinthiens, dans 1 Chronique, pardon, chapitre 25, avec Asaph et Heman,
qui lui-même a écrit le psaume 89. Alors, c'est un chant d'après Yedutun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, dit-il à Dieu. Je suis couché, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. À savoir, le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne serait-il plus à nouveau favorable? Ses bienveillances sont-elles à jamais, ou sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré ses compassions? Et là, il y a une pause. Et Asaph reprend, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Certaines traductions ont tes miracles d'autrefois. Il y a une petite variante dans le texte hébraïque. Qu'il s'agisse d'un miracle en particulier dont il sera question, qui est la sortie d'Égypte, ou des miracles, et il y en a même eu quelques-uns, plusieurs, pendant la sortie d'Égypte. Alors je me rappellerai surtout ton miracle d'autrefois, je méditerai sur toute ton action, ou encore là, sur toutes tes actions. Je réfléchirai sur tes hauts faits. On voit dans ce court paragraphe l'état émotif d'Asaph. Il dit être dans la détresse au verset 3, ou encore une tristesse profonde, hein, mon âme refuse d'être consolée. Ou encore au verset 4, il dit, je gémis, ou mon esprit est abattu. Il est troublé, verset 5, tu tiens mes paupières en éveil, toute une façon de dire, Seigneur, tu me tiens réveillé, ou mes pensées me tiennent réveillé, tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublé. Et il demeure sans parler, je ne parle pas. Et ensuite, Asaph pose une série de questions au Seigneur. Il y a six questions dans les versets 8 à 10, hein. Le Seigneur rejettera-t-il? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il retiré ses compassions? Ce sont des questions qu'Asaph se pose, et se poser des questions, même en poser à Dieu, c'est loin d'être interdit. Bien au contraire, si l'on se fie ici au verset 8 à 10, il semble que Dieu même nous équipe par la plume de Asaph, de lui faire part de nos questions. Il met même des paroles sur ces questions et il nous aide à les verbaliser. Et dans certaines tristesses, les demi-mesures ne suffisent plus. Asaph dit qu'il refuse d'être consolé. La nature de sa détresse ne nous est pas précisée, mais elle est suffisamment intense pour l'amener à remettre en question, au verset 10, la compassion de Dieu. Et quand on souffre, frères et sœurs, c'est normal de se poser ce genre de questions. Mais pour Asaph, autant son appartenance à Dieu n'exclut pas les temps obscurs qu'il traverse, autant son état émotif n'exclut pas sa capacité de se souvenir, de réfléchir, de se rappeler. Même dans nos moments émotifs difficiles, nous continuons, par la grâce de Dieu, à être capables de réfléchir. Et ces versets nous présentent aussi son état, non seulement son état émotif, mais aussi son état mental. À plusieurs reprises, Asaph décrit ses activités mentales. Il dit au verset 4, par exemple, je me souviens. Il réfléchit, je réfléchis, mon esprit est abattu, certes, mais je réfléchis.
Verset 6, je réfléchis aux jours d'autrefois. Verset 7, je me rappelle, je médite, mon esprit fait des recherches. Versets 12 et 13, je me rappellerai les actes de l'Éternel, je me rappelle ton miracle, je méditerai, je réfléchirai. Il y a le cerveau qui continue à fonctionner. Alors, son état mental n'est pas arrêté, il continue à réfléchir. Parfois, notre état mental nous amène à perdre le contrôle sur la vitesse à laquelle on réfléchit, mais il semble pas qu'Asaph se soit rendu jusqu'à ce point-là. Remarquons finalement dans cette première lecture les nombreuses allusions aux temporalités, au temps passé. Il dit au verset 6, par exemple, je réfléchis aux jours d'autrefois, ou encore, toujours au verset 6, aux années du lointain passé. Remarquons aussi que dans sa souffrance présente, Asaph se demande, encore à l'aide d'éléments temporels, il se demande si Dieu ne va pas rejeter pour l'éternité, verset 8. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ou encore, verset 9, sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce sont des indications temporelles. Et ça m'amène, moi, à réfléchir, à savoir, quand on passe par des moments de souffrance, souvent notre perception du temps est transformée, elle est tordue. Quand on souffre, on a l'impression que le temps arrête. Quand on a du plaisir, on dirait que le temps passe à une vitesse folle. Mais quand on souffre, le temps arrête. Il semble que le moment présent durera pour l'éternité. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il cesse. On voit donc un Asaph ici en réflexion interne. Il ne pose aucune action, il n'y a aucun verbe d'action qui est employé. Mais c'est son état émotif, son état mental. Cependant, même si Asaph réfléchit, le fait qu'il se souvienne, qu'il réfléchisse, ne lui semble pas apporter de réconfort. Il semble que ce soit plutôt le contraire, si on se fie au verset 11. Hein. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Puis il pense, il se rappelle les jours d'autrefois, il dit, bien, pourquoi ce n'est plus le cas maintenant? Seigneur, as-tu arrêté de travailler dans ma vie? La droite de l'Éternel n'est plus la même, verset 11. Hein. Il a beau essayer de se rappeler, mais il est dans une situation pénible. Dieu ne semble plus agir comme il a fait dans le passé, d'où sa souffrance, la souffrance d'Asaph et ses questions. Et je dois dire que réfléchir à Dieu, s'approcher de Dieu, n'apporte pas toujours un réconfort immédiat. Il semble plutôt que dans certaines circonstances, c'est plutôt l'effet contraire qui se produise, du moins initialement. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie au psaume qui commence maintenant au verset 14, cette deuxième partie. Et on trouve ici que les souvenirs d'Asaph, ses réflexions, ses recherches, le ramènent au salut de Dieu. À un salut de Dieu en particulier, au salut de Dieu lors de la sortie d'Égypte et du séjour au désert, verset 14 au verset 21. À deux reprises, Asaph fait référence à un miracle au singulier, au verset 12, à une merveille, verset 14. La Français courant et la Bible du Sauveur ici traduisent par les pluriels merveille et miracle. À quoi ces termes nous renvoient-ils? Eh bien, ils sont précisés au verset 21, verset 17 à 21. Nous allons lire le texte. Verset 14. Dieu, ô Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Et là, ils veulent nous dire. Quel est ce miracle ou quels sont ces miracles en question? Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné, oui, les abîmes se sont agités, ça ne parle pas du déluge ici. Les nuages versèrent des torrents d'eau, le ciel d'orage a donné de la voix, oui, tes flèches volèrent de toutes parts, au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et trembla.
Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Alors, il n'est pas question ici du déluge, mais plutôt de l'ouverture de la mer Rouge ou de la mer des Joncs, dans laquelle ouverture le peuple a pu traverser, et ensuite cette même mer qui a noyé les Égyptiens, et Dieu a conduit son peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Alors, tout comme il va le faire au psaume 78, Asaph se remémore les temps forts de l'histoire du salut de son peuple, et cette fois-ci, il nous renvoie à la traversée de la mer Rouge. Au psaume 78, il va faire référence à plusieurs temps forts du salut, mais au 77, il fait référence à un de ceux-là, à savoir la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge et sous forme poétique, et ensuite le séjour au désert, comme il en sera question aussi au psaume 78. Alors, ce texte nous renvoie à la traversée de la mer Rouge. Il décrit cette traversée sous forme poétique, avec tout un bagage d'expressions poétiques, tout comme Moïse lui-même l'avait fait dans Exode 15. Si vous comparez Exode 14, qui est le récit de la traversée de la mer Rouge, avec le chant de Moïse ou le chant de la mer, il existe d'ailleurs plusieurs parallèles dans le psaume 77 et Exode 15. Plusieurs métaphores sont employées. Ce sont des textes poétiques qui nous renvoient justement à cette sortie d'Égypte et à cette traversée de la mer Rouge. Asaph parle des mouvements de l'eau. Hein, les eaux ont bouillonné. Il parle de la mer, c'est-à-dire les abîmes. Les eaux ont vu, les abîmes se sont agités. Les abîmes, ce ne sont pas nécessairement les enfers, là. Ce sont les grandes vagues, les eaux profondes, les nuages versant des torrents d'eau. Il parle du tonnerre lorsqu'il parle de la voix du ciel d'orage. Alors, c'est le tonnerre qui gronde. Les éclairs, il parle des flèches, hein, des flèches volèrent de toutes parts. Alors, ce ne sont pas des flèches littérales ici, ce sont des éclairs, une expression, une métaphore assez courante dans les psaumes pour parler des éclairs, ce sont les flèches. Des tremblements de terre, hein, la terre qui s'agite et qui tremble. Alors, évidemment, tout ça n'est pas arrivé littéralement comme ça lors de la traversée de la mer Rouge. Il n'y a pas état de tremblement de terre dans Exode 14. Néanmoins, on doit comprendre ici donc qu'Asaph utilise des métaphores et des expressions poétiques pour décrire la traversée de la mer Rouge avec beaucoup de force. Alors Dieu a ouvert la mer, a conduit son peuple en toute sécurité, et ensuite il a refermé cette mer. Hein, tes traces ne furent plus reconnues. C'est alors la fin de l'esclavage en Égypte, le début d'une nouvelle vie au service de Dieu qui venait de les racheter et de les délivrer. Et le texte du psaume 77 se termine par la mention de Moïse et d'Aaron qui maintenant servent de bergers, au pluriel, de bergers du peuple d'Israël. Alors, si Asaph vivait un jour de détresse, comme il le dit au verset 3, Israël en a vécu tout un dans le lointain passé, lorsqu'ils étaient à côté, accolés contre la mer et les Égyptiens étaient d'autre part. Mais Dieu a délivré son peuple. Et de la même manière que Dieu avait jadis sauvé Israël de l'Égypte, il pouvait maintenant sauver Asaph de sa détresse. Alors Asaph se réfléchit, se rappelle ces moments, ce miracle d'autrefois. Alors ça sert à Asaph de point de repère, de souvenir fixe dans sa pensée. J'aimerais maintenant poursuivre la réflexion un peu plus loin et suivre cette trajectoire qui a été tracée par l'Exode, et maintenant qui est lancée par Asaph lui-même. Et Asaph renvoie à la traversée de la mer Rouge. C'est la troisième grande idée ici, qu'à maintes reprises dans l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte sert de point de repère pour rappeler au peuple le salut de Dieu.
Azaph donc renvoie à la traversée de la mer Rouge, également à cinq autres endroits dans les psaumes qu'il a écrits. Si vous prenez des notes, psaume 74, versets 13 et 14, psaume 78, versets 12 et 13, et le verset 53, au psaume 80, verset 9, 80, verset 9, et psaume 81, verset 6, et au verset 11 du même psaume, psaume 81, 6 et 11. Il n'est pas le seul auteur de l'Ancien Testament à rappeler le salut expérimenté, vécu par Israël. Ça se retrouve beaucoup chez les prophètes aussi. En fait, la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge et le séjour au désert ont servi et serviront de modèle pour toute une série de délivrances que Dieu accordera à ses enfants par la suite dans l'Ancien Testament. Je pense par exemple à Isaïe, encore là si vous prenez des notes, à Isaïe 63, versets 11 à 16, le temps nous manque pour les lire, ou encore Michée, qui est de la même époque que celle d'Ésaïe, Michée au chapitre 6, versets 4 et 5. Ce sont deux textes, le texte dans Ésaïe et le texte dans Michée, il y en a d'autres dans Jérémie aussi, où on se rappelle l'Exode. Et précisément dans Michée, Dieu dit à son peuple, rappelle-toi cet épisode-là, rappelle-toi la sortie d'Égypte, rappelle-toi ma délivrance à cette époque. Alors, le salut de Dieu n'était pas terminé. Bonne nouvelle, quatrième grande idée, c'est que la sortie d'Égypte et la traversée de la mer servent également de modèle au salut qui nous est procuré par la mort de Jésus-Christ. Cette trajectoire-là se poursuit jusque dans le Nouveau Testament. Il existe une profonde continuité, frères et sœurs, entre le salut que nous avons en Jésus-Christ et le salut que le peuple d'Israël a connu lors de la sortie d'Égypte. Évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi des continuités. Et une des façons dont les auteurs du Nouveau Testament signalent cette continuité, c'est en employant les mêmes mots que l'Exode, ou les événements à cette époque pour désigner notre salut en Jésus-Christ. J'en donne cinq exemples très brièvement. Par exemple, dans Luc, chapitre 9, verset 31, Moïse et Élie apparaissent à Jésus, c'est le récit de la Transfiguration, et ils lui parlent de son départ vers Jérusalem, littéralement de son exode vers Jérusalem. C'est le seul endroit où on trouve dans les textes de la Transfiguration le mot exodos, le mot exode, en référence au départ de Jésus vers Jérusalem, et l'écho est très difficile à ne pas entendre ici. De la même manière, lorsque Jésus institue la scène, le repas du Seigneur dans Luc 22, verset 20, il utilise le même langage que celui que Moïse a utilisé au mont Sinaï en Exode 24, verset 8, lorsque Moïse a dit, Voici le sang de l'alliance hein, par lequel vous êtes purifiés. Jésus emploie un langage qui est extrêmement près de celui-là. Cette coupe est la nouvelle alliance ou cette nouvelle alliance en mon sang. Alors, encore là, l'allusion est très difficile à manquer. L'apôtre Paul, troisième exemple, exhorte à la sainteté en disant dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que Christ, notre Pâque, sans S, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il fait évidemment référence à la Pâque de l'Ancien Testament, à l'agneau pascal. Alors, il décrit la mort de Jésus-Christ en référence à cette Pâque qui a eu lieu la veille, donc la nuit même, qui a précédé la sortie d'Égypte. Plus loin dans la même épître, toujours dans 1 Corinthiens, Paul avertit les Corinthiens de s'assurer de leur salut. Et la façon dont il s'y prend, c'est qu'il cite le mauvais exemple des Juifs qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont été baptisés en Moïse, nous dit l'apôtre Paul, qui ont mangé la manne et bu de l'eau du rocher, mais malheureusement qui sont morts dans le désert. 1 Corinthiens 10, pardon, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. J'avais déjà intitulé ce passage-là, Comment être sauvé sans aller au ciel?
c'est-à-dire que les Juifs étaient sortis du pays d'Égypte, mais malheureusement ne se sont pas rendus dans la terre promise. Et Paul met en garde les Corinthiens d'un salut qui serait qui ne serait pas sérieux, qui ne serait que un billet pour le ciel sans obéissance, sans rechercher la sainteté. Et il rappelle donc ces événements à titre d'avertissement. Dernier exemple, l'apôtre Pierre affirme dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19 que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, et Pierre ajoute, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors l'allusion à l'agneau pascal, encore là, est immanquable. Alors les exemples dans le Nouveau Testament, d'autres exemples pourraient être cités, mais ceux-ci suffiront pour indiquer combien la sortie d'Égypte et la traversée de la mer servent de modèle au salut en Jésus-Christ. Alors je reviens donc au psaume 77. Tout comme Asaph se remémorait la délivrance passée de son peuple, dans ces moments obscurs, le Seigneur nous appelle à retourner à la base de notre salut, dans nos moments obscurs. Est-ce que tu te demandes, par exemple, est-ce que tu te demandes si tu es vraiment sauvé par la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois que Christ est mort pour toi? Je te ramène à ce premier message. Est-ce que tu crois que Christ est mort pour toi personnellement, qu'il a versé son sang pour toi à la croix, qu'il a pris sur lui la condamnation que méritaient tes fautes? Ça, c'est la base de notre salut. Te demandes-tu si tu vas persévérer jusqu'à la fin? Quand on vieillit, on commence à se poser la question. Rappelons-nous notre conversion. Et si le souvenir en est trop flou, rappelons-nous ce que nous croyons au moment où nous avons été baptisés comme disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous croyons à ce moment-là? Je me souviens, il y a plusieurs années, un frère était venu me voir alors que j'étais pasteur à l'église et il est arrivé en pleurs et il me dit, Pierre, je suis pas sauvé, je suis pas sauvé. Alors, je discutais avec lui, il y avait une forte tendance dépressive chez le frère en question. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as cru au moment où tu as placé ta confiance en Jésus-Christ? À quoi tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais au moment où tu as été baptisé? Est-ce que ta foi était réelle? Alors, si oui, ton salut repose entre les mains de Dieu et non entre les tiennes et certainement pas entre tes émotions présentes. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous rappeler du salut de Dieu. Peut-être que nos combats sont d'un autre acabit. Notre mariage bat de l'aile. À quoi nous sommes-nous engagés lorsque nous avons prononcé nos vœux de mariage? Nous étions tout feu, tout flamme, très amoureux. Nous avons besoin de revenir à ces moments. Certains désirs malicieux continuent à nous causer du souci, à nous faire pécher. Sachons et rappelons-nous que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et plus largement encore, notre société est de plus en plus pluraliste. Pourrait-elle avoir le bon sens de mettre en pratique sa devise, je me souviens, et de se souvenir de la grâce de Dieu envers elle, cette société? Dans un commentaire sur les psaumes écrit par un Québécois, les psaumes redécouverts de Marc Girard, j'ai bien aimé cette petite réflexion qui accompagne son analyse du psaume 77. Il écrit, et je cite, Notre Québec bien-aimé a pour devise séculaire, c'est-à-dire depuis plusieurs siècles, Je me souviens. Or, comme par hasard, écrit Girard, voilà le calque exact du leitmotiv du psaume 77. Nous sera-t-il permis de rêver que le Québec d'aujourd'hui, toujours en quête de son identité, approfondisse son souvenir plus qu'il n'a tendance à le faire ces années-ci? Prenant exemple sur le psalmiste, ne faudrait-il pas ce peuple, qu'il médite non seulement avec émotion sur ses problèmes historiques, non seulement avec sa raison sur sa musique, son folklore traditionnel et les changements socioculturels qui l'affectent présentement, mais encore et surtout avec sa foi.
sur les actes de l'Éternel qui en ont fait, qui en ont fait jadis un peuple branché, vivant, choisi, à l'instar et dans le sillage du peuple biblique de l'Exode, écrit-il au tome 2, pages 435 et 446 de son commentaire sur les psaumes. Je suis pas sûr, j'ai une note dans mes notes ici, là, à l'effet que la page est peut-être inexacte. Marc Girard, ce commentateur, semble dire, si je comprends bien, que le Québec de jadis était plus branché, plus vivant, choisi même par rapport à Dieu, si je devine bien sa pensée. Mais permettez-moi d'en douter. Les Québécois étaient religieux en surface. Ils étaient des chrétiens de culture et même des chrétiens de coercition par la société. J'espère, frères et sœurs, que ce n'est pas notre cas. Que notre appartenance à Dieu va bien au-delà de notre culture. Que notre appartenance à Dieu va bien au-delà de notre présence à l'Église, même si l'Église est virtuelle de ce temps-là. Notre foi s'enracine dans l'œuvre de Dieu à notre égard dans le passé, dans le salut que Dieu nous a accordé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et dans la présence permanente du Saint-Esprit en nous. Je me souviens des jours d'autrefois, disait Asaph. Souvenons-nous donc du grand salut de Dieu en Jésus-Christ lorsque nous sommes abattus, lorsque nous avons le vague à l'âme, et puisons notre encouragement dans le rappel de la grâce de Dieu dans le passé, son soutien dans le présent, et attendons-nous à lui pour l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse, les frères et sœurs.